Bienvenue dans cette nouvelle émission des Idées à l'endroit, consacrée aujourd'hui à un homme exceptionnel, n'ayons pas peur des mots. Cet homme est Raymond Abellio. Son nom parlera, je l'espère, à un grand nombre de téléspectateurs, bien qu'il soit aujourd'hui relativement oublié, en particulier par ses éditeurs. Pourtant, ses ouvrages sont publiés pour l'essentiel aux éditions Gallimard. Abellio est né en 1907, il est mort en 1986, il est né à Toulouse, il est mort à Nice. Il est né dans un milieu très modeste et il a fait de brillantes études. C'est un petit garçon extrêmement brillant. Excellentes études au point d'intégrer l'école polytechnique sans être passé par les deux années de classe préparatoire, hein, puisqu'il a intégré directement la classe de mathématiques supérieures, c'est-à-dire la deuxième année de préparation pour intégrer l'école. Et il a intégré l'école polytechnique du premier coup. Donc un homme, un scientifique, bien sûr, c'est important, compte tenu des propos qui vont être tenus, je pense, pendant cette émission. Et un homme qui devient ingénieur des ponts et chaussées, qui mène dans une première partie de son existence une vie très active, donc sur le plan professionnel, bien entendu, mais aussi, et peut-être surtout pour ce qui nous intéresse, sur le plan politique, puisqu'Abellio est très engagé à la SFIO, au Parti Socialiste, en particulier à l'extrême gauche du Parti Socialiste, donc dans ses courants les plus trotskisants ou marxisants. Ça, c'est la première partie de la vie d'Abellio qui le conduira, pour des raisons politiques, là encore, pendant la Deuxième Guerre mondiale, à devenir, à entrer dans la collaboration, comme d'autres personnalités de gauche ou d'extrême gauche, d'ailleurs. Et donc, pendant ces années de guerre, en tout cas pendant la première partie de ces années de guerre, il sera très proche du mouvement social révolutionnaire d'Eugène Deloncle, des fondateurs de la Cagoule. Et évidemment, on se doute que son engagement collaborationniste et l'admiration qu'il a nourrie pour l'Allemagne du Troisième Reich, qu'il évoque dans le troisième volume de ses mémoires, Sol Invictus, lui a valu évidemment de gros déboires après la guerre et à la libération. Première partie de sa vie, disais-je, parce que pendant cette période donc de la Deuxième Guerre mondiale, se passe également un événement capital pour lui, qui va décider de la réorientation de son existence et d'un revirement. Pour employer les propres termes d'Abellio, il passera de l'homme de puissance, c'est-à-dire l'activiste, l'homme d'action, à l'homme de connaissance, il deviendra un homme de la connaissance. Et en 1983, précisément, il fait la rencontre d'un érudit qui deviendra son maître spirituel, c'est la formule qu'il utilise, qui s'appelle Pierre de Combat. Et Pierre de Combat va l'initier au savoir traditionnel ou traditionnaliste, il va l'initier à René Guénon, il va l'initier à la gnose, il va l'initier à un certain nombre de sciences sacrées, dirait-on, et la vie d'Abellio en sera complètement réorienté. Et à partir de ce moment-là, aussi bien dans son œuvre de romancier, puisqu'il a écrit plusieurs romans, de grands romans, publiés aux éditions Gallimard, à la collection Blanche, Heureux les Pacifiques, Les yeux d'Ézéchiel sont ouverts, La fosse de Babel, Visage immobile, mais aussi en tant que diariste, il a publié, toujours chez Gallimard, dans la collection Blanche, un volume de journal, de notes quotidiennes, journalières, de l'année 1971. Mais également en tant que mémorialiste, j'ai évoqué Sol Invictus, ses mémoires sont publiées en trois tomes, les deux premiers chez Gallimard et les autres, Gallimard ayant refusé pour les raisons que j'ai dites, son texte sur la période de la guerre sera publié chez un autre éditeur. Et puis des essais évidemment proprement philosophiques et métaphysiques, en particulier La structure absolue, Le manifeste pour la nouvelle gnose, qui est son dernier titre, ou bien Vers le prophétisme, là aussi publié chez Gallimard. Donc, nous avons affaire avec Abellio à un esprit, bien sûr, très brillant, on peut dire, je pense, un esprit génial, et à une pensée hors norme qui se situe dans la lignée de la pensée traditionnelle ou traditionaliste, celle, disons, que René Guénon ou Julius Evola ont exposée, mais qui en diffère également de manière considérable sur bien des plans. Et c'est ce versant-là de sa pensée, donc sa pensée à proprement parler gnostique ou métaphysique, que l'on va essayer d'explorer. Avec vous, Jean-Charles Roux, vous êtes membre du bureau de l'association Raymond Abellio Recherche et Études, qui est basée à Toulouse, mais vous avez un site internet que l'on peut consulter, bien sûr, où l'on trouvera
un certain nombre de vos articles, des articles que vous avez consacrés à Abellio, et vous avez participé également à plusieurs colloques autour d'Abellio. Et nous en parlerons également avec Raphaël Juan. Vous êtes conservateur des bibliothèques, vous êtes également un excellent connaisseur et un grand lecteur d'Abellio, à qui, je précise, vous avez consacré un article tout récemment dans le dernier numéro de la revue Crisis, qui s'intitule « Abellio, philosophe méconnu ». Point d'interrogation. Hein. Voilà. Alors on va essayer de le rendre peut-être un peu moins méconnu ou un peu plus familier des téléspectateurs et éventuellement. Alors, pour essayer d'entrer de manière fût-ce assez superficielle dans l'œuvre d'Abellio, il me semble qu'un moyen utile peut-être de partir de ce qu'il appellera lui-même son présupposé fondamental, son postulat de base, qui est celui de l'interdépendance universelle. Abellio va penser à partir de ce principe-là. Alors, qu'est-ce qu'il entend par interdépendance universelle, Jean-Charles Roux ? Cette notion d'interdépendance universelle est assez facile à comprendre dans la mesure où il faut prendre en considération que tout événement en entraîne un autre. Les Anglais ont créé le mot serendipity. Bon, c'est un mot un petit peu excessif pour dire que tout est lié. Et dans l'interdépendance universelle, il y a cette notion qui est pas du tout appréciée par l'université contemporaine. C'est la notion de déterminisme. J'aimerais revenir un petit peu sur votre présentation en disant que dès son jeune âge, Raymond Abellio, dont le vrai nom c'est Georges Soulès, était mu par un besoin, une quête de l'absolu. Cette quête de l'absolu, il a commencé par la vivre dans une démarche qu'on peut qualifier de mystique catholique, qu'il a vite arrêté au sortir de ses études supérieures pour se lancer dans le militantisme socialiste, comme vous avez très bien dit, et qui a évolué à partir de l'année 43, sous l'influence de ce Pierre de Combat, dans une quête d'un absolu plus ésotérique, trouvant ses racines dans les sciences traditionnelles. Et parmi elles, la Kabbale, la connaissance de la langue hébraïque. Alors justement, c'est quand même très étrange parce qu'il y a effectivement cette quête d'absolu, cette quête de connaissance, de savoir, et cette focalisation première sur les sciences traditionnelles, sur les sciences sacrées, disons, ou la connaissance sacrée, comme dira René Guénon. Mais nous avons affaire précisément à un scientifique, donc un scientifique de très haut niveau, un polytechnicien, un ingénieur, donc quelqu'un qui a été sur le terrain, qui a bâti, qui a été un technicien, et donc un homme, à la différence donc de la plupart des penseurs de cette école, qui va rester à l'écoute de ce que la modernité scientifique et technique même, enfin essentiellement scientifique, va lui dire. Et c'est un paradoxe en fait, hein, c'est-à-dire que lui se défendra toujours d'une optique qu'il considérera comme réactionnaire, hein, l'optique guénonienne, disons, c'est-à-dire qu'on ne veut rien savoir des sciences modernes, on ne veut rien savoir de l'Occident, on est en plein âge sombre, etc. Lui, pas du tout. Comment se situe-t-il à l'endroit de la modernité, Raphaël Juan, et pourquoi ce côté un peu dubitatif sur ce versant des sciences traditionnelles guénoniennes? Alors effectivement, c'est un auteur qui est tout à fait particulier dans le giron des sciences traditionnelles, puisque c'est un des rares grands auteurs de cet esprit de pensée, disons, qui est tout à fait ouvert effectivement aux sciences modernes et qui les met à profit pour créer une nouvelle logique s'inspirant, comme vous l'avez dit, à la fois de ces sciences traditionnelles, donc effectivement la Kabbale, l'astrologie, à quoi il s'intéressera beaucoup, la pensée chinoise également, dans laquelle il trouve des éléments de logique qui pourraient être réappropriés, repris pour dans son sens, disons. Et effectivement, cette science moderne est tout à fait capitale pour lui, dans la mesure où il a, c'est ce qu'il explique dans un essai de 1973 qui s'appelle « La fin de l'ésotérisme », cette science permettrait
Donc la physique quantique, la théorie de la relativité, le bootstrap permettrait de valider finalement les intuitions traditionnelles les plus primordiales. Donc c'est vraiment en ce sens on ne peut pas distinguer chez lui vraiment l'appétence scientifique et l'appétence traditionnelle. Les deux sont absolument corrélés, se mélangent pour créer une nouvelle logique qu'il appellera la structure absolue, dont on parlera sans doute plus tard. – Oui, plus tard, où on peut, alors on en parlera je pense un peu plus tard, parce qu'il faudra peut-être d'abord voir de quel est le point de départ philosophique de cette structure absolue, qui est une notion un peu complexe. Dans le domaine des savoirs traditionnels, donc des sciences sacrées, on a évoqué la Kabbale, on a évoqué l'astrologie, on a évoqué le Yiking à travers la pensée chinoise, et donc… n'y a-t-il pas n'est-ce pas un risque dans la pensée d'Abellio, n'y a-t-il pas un risque en quelque sorte de concordisme, si j'ose dire, c'est-à-dire d'une tentative de faire coïncider l'enseignement de toujours de la pensée traditionnelle et de ce qui a été toujours dit et pensé dans ces milieux-là, ce qui a toujours été su partout de tous et toujours, comme on dit, mais à partir des derniers acquis de la science. C'est-à-dire précisément, la science est ce qui est toujours remis en cause. Enfin, c'est toujours une. Il semble qu'il y ait chez Abellio une confiance de fond dans le mouvement d'une certaine rationalité. Vous êtes d'accord avec ce jugement ? Cette confiance de fond, le mot me paraît tout à fait juste, tout à fait approprié. Disons qu'il a un regard de très loin. Oui. Il embrasse l'évolution de la pensée depuis ses débuts en étudiant ce qui a caractérisé la pensée de l'homme de la Renaissance et pour arriver au XXe siècle. Je vais raconter une petite anecdote, à savoir que lorsque la NASA a envoyé les premiers humains sur la Lune en juillet 69, et qu'il y a eu, les premiers pas de l'homme sur la Lune, il n'y avait qu'une seule chaîne de télévision, et il avait été invité, au titre d'autres personnes, à commenter l'événement sous l'angle à la fois du scientifique et du philosophe. C'est assez étonnant, je devais avoir 14 ou 15 ans, donc j'en ai pas un grand souvenir, mais dans les bibliographies qui se rapportent à lui, le fait est mentionné. C'est assez curieux parce qu'à la même époque, mais ça nous entraînerait trop loin, Heidegger, lui au contraire, reste chez lui, se ferme dans sa maison et ne veut absolument rien savoir de ce viol spatial, en quelque sorte, plus un viol spatial qu'un vol. C'est-à-dire que c'est évidemment un accroissement de la domination technique, etc. Mais là aussi, il y a chez… ça peut se comprendre d'ailleurs, puisque Abellio, on va peut-être en venir à la structure absolue, Raphaël Jean, est évidemment un lecteur de Husserl, du philosophe Husserl, beaucoup plus qu'il ne l'est de Heidegger, bien entendu. Ah oui, bon. Alors Husserl, donc, pour expliquer de manière très, très, très simple, ça, non pas sa pensée, hein, évidemment, mais bon, c'est sa pensée se subsume sous le terme de phénoménologie. Donc Abellio lit Husserl et se passionne pour la phénoménologie et il va y trouver de quoi se nourrir, non seulement sur un plan métaphysique, mais aussi sur un plan spirituel. Et tout ceci va être formalisé par lui, par cette fameuse structure absolue. Mm-hmm. Donc je le rappelle, un livre publié aux éditions Gallimard, je crois en deux volumes, hein, c'est d'une somme. Enfin. Donc c'est quoi cette structure absolue? Alors la structure absolue, essai de phénoménologie génétique, c'est le titre complet du livre. La structure absolue, c'est un modèle, c'est un schéma. C'est quelque chose qui peut faire penser au diagramme qu'on retrouve parfois dans les sciences de la gestion, qui se présente sous forme de croix, donc qui contient quatre pôles qui dialoguent entre eux. Abellio définissait la structure absolue comme une double contradiction croisée. Donc voilà, ça c'est vraiment le fait de la structure absolue qui permet de retrouver… de rendre grâce finalement à la dynamique du monde tel qu'il l'a concevé. La structure absolue est à comprendre absolument à travers le présupposé de l'interdépendance universelle, on en revient à ça, l'interdépendance universelle est vraiment le socle de la réflexion d'Abellio, effectivement tout est lié.
Dans la cosmologie, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il reprend les thèses de Fred Hoyle, qui est aujourd'hui un petit peu oublié, qui est l'inventeur du terme Big Bang pour le critiquer. Et donc, c'est quelqu'un qui considérait l'histoire cosmologique comme finalement un éternel présent et comme un état stationnaire d'un point de vue scientifique. Abellio se situe dans le même état d'esprit. Il considère effectivement que l'histoire, les événements, notre rapport au monde a à voir avec quelque chose qui serait de l'ordre de l'éternel présent. Oui. Tout nous engage, le fait de lever le bras ou de faire le moindre geste fondamentalement a une influence, un impact, ne serait-ce qu'infinitésimal, sur le reste du monde. Donc ça, il peut rejoindre par certains côtés Jean-Paul Sartre avec ses fameuses, évidemment, théories de l'engagement selon lesquelles tout nous engage, nos moindres mots, etc. Donc c'est à la fois une philosophie qui est extrêmement pesante, finalement, puisqu'on est engagé dans tout. Le libre arbitre n'existe pas. Donc Abellio nie complètement le libre arbitre. C'est une pensée qui est absolument déterministe et qui, de par ce fait, presque contradictoirement, nous libère de l'ensemble des événements. Donc libre arbitre et liberté à mettre en regard chez Abellio, il me semble, à travers ce modèle qui est la structure absolue. Donc. Il y a également chez Abellio, et c'est tout à fait en lien avec ce que vous venez de dire, Raphaël Juvan, donc cet aspect, disons, très intellectuel, métaphysique, gnostique, etc., mais c'est aussi un homme d'expérience. Je veux dire par là, et j'y songeais quand vous avez présenté, Jean-Charles Roux, cette enfance chrétienne, catholique de Raymond Abellio, il y a une expérience du monde qui lui est rendu possible à travers un changement de regard, à travers une conversion du regard, à travers la phénoménologie essentiellement. Mais il relate, quand il est en Suisse, peu après la Deuxième Guerre mondiale, il a dû quitter la France suite au déboire auquel je faisais allusion au début de l'émission, et il évoque une chaîne de montagnes, et il dit « voilà, cette chaîne de montagnes, je l'avais vue 100 fois, mais je ne l'avais jamais regardée ». Et donc il y a chez Abellio également une expérience du monde qui tourne autour non pas de l'extase mystique et de la voix que l'on pourrait dire dévotionnelle ou en tout cas de la religion classique, traditionnelle, mais de ce qu'il appelle lui l'enstase. C'est-à-dire ce n'est pas l'extase, ce n'est pas une explosion vers le grand autre, mais c'est un recueillement vers l'homme intérieur. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce mouvement-là, cet homme intérieur, qui est-il, ce regard intérieur, quel est-il ? Alors, je vais répondre à cette question en reprenant le propos de Raphaël Juvan. Il y a chez lui un ancrage dans le temps et il vainc, si vous voulez, le déterminisme par l'intensification de sa perception de l'instant présent. Alors, effectivement, c'est bien cela, l'instase, où l'individu prend vraiment conscience de ce qu'il vit. Une autre expérience plus que triviale de cette instase, c'est l'acte d'amour, où oui. Il dit que c'est là où vraiment on est au cœur de l'instant présent, c'est peut-être une évidence, mais voilà, c'est l'exemple même, la réduction du vécu. Et alors cet ancrage dans le temps connaît l'instant présent, mais peut se projeter dans le futur. L'homme Abellio développe un discours prophétique. Voilà, c'est un point très important. Oui, je vous en prie. Et sous ce terme, il arrive à anticiper, je ne veux pas dire des événements, car ce serait un petit peu basique, mais la tendance qui conduit l'humanité.
cette tendance le rend extrêmement critique pour le temps présent. Ce qu'il dit de la vie en France ou aux États-Unis dans les années 80, les dernières années, peut s'appliquer parfaitement aujourd'hui, en 2022, puissance de 2 ou 3, car on n'est pas encore sorti dans cette tendance qui met en cause le sens de l'existence pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Cette évolution, cette perspective, cette orientation vers le futur est relativement, comment dire, sévère, mm-hmm. car c'est un jugement sur notre, un jugement moral sur notre époque, dont nous payerons fatalement le prix. Mm-hmm. Pour rebondir sur, oui. sur cette notion d'enstase, effectivement, c'est un néologisme qui est développé par Mircea Eliade oui. Dans ses livres qui traitent du yoga. On sait que Mircea Eliade était un grand pratiquant du yoga, il a été en Inde, etc. Et c'est effectivement cette réintégration de la divinité, de la déité en soi, de ce qu'il y a de divin dans le cosmos en soi. Donc on ne se pulvérise pas vers l'extérieur, mais vraiment il y a cette idée de réintégration. Et Abellio parlait d'enstase pour ce qui concernait plus précisément la conversion phénoménologique. Il voyait dans la phénoménologie husserlienne le véritable yoga de l'Occident, c'est-à-dire oui. la connaissance pratique qui permettra à l'homme de l'avenir d'accéder à une nouvelle transcendance. Fondamentalement, il me semble que c'est ça. Mais la transcendance, alors bon, Husserl parle du transcendantal, bon, tout tourne autour de l'idée de la conscience, de la conscience humaine. Oui. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que c'est un autre niveau de conscience. Et c'est à une autre conscience qu'Abellio en appelle avec Husserl. Tout à fait, c'est ça, c'est une autre idée de conscience qui recouvre, qui réenglobe finalement l'intégralité du sens du monde à un moment donné, et qui est aussi, là encore on en revient à cette idée d'éternel présent qui englobe la totalité de l'histoire invisible, on pourrait dire, hein, finalement. – Abellio va reprendre le grand concept d'époque créé par Husserl, qui désigne cet état de conscience de conscience. On va parler de suspension du jugement, mais c'est un état très difficile à acquérir. Ça prolonge le doute cartésien, bien sûr, c'est ça. Ça intensifie le doute cartésien. Husserl parle de Descartes et de Kant aussi sur les conditions a priori, etc. J'ai évoqué tout à l'heure la pensée de l'homme de la Renaissance. Descartes est un jalon qui va produire, si on peut dire un point de vue intellectuel, Husserl, auteur de Méditation cartésienne, et lui-même entend se positionner dans ce prolongement à travers ses livres La structure absolue. Alors la structure absolue, c'est un modèle heuristique qui va servir à expliquer un certain nombre de choses relatives à l'histoire, à la psychologie humaine et aussi l'esthétique. Il y a un développement très important sur l'esthétique grâce à la structure absolue. Parmi les études abéliennes, qui sont soit dans ses livres, soit dans des publications externes, il y a notamment un commentaire très intéressant sur la Transfiguration, tableau peint par Raphaël. Bien sûr. Alors il y a non seulement les lignes secrètes qui structurent le tableau, mais le message ou la psychologie attribuée à chacun des personnages entre le Christ qui domine la scène comme il se doit, mais également les disciples qui n'osent pas regarder le personnage lumineux et le seul personnage qui ose faire le court-circuit entre le Christ et la terre, c'est l'enfant possédé qui a une sorte de rictus, mais qui regarde, qui ose droit dans les yeux le Christ. Alors il fait ce commentaire où on peut retrouver les forces qui animent ce tableau et qui épousent la philosophie de la structure absolue.
Le prophétisme, c'est un point important. Abellio a écrit un livre qui s'intitule « Vers le prophétisme », enfin un nouveau prophétisme. Et dans son dernier roman, « Visage immobile », il se montre lui-même très prophète. Je veux dire par là que sur deux points au moins, c'est aussi assez étrange, c'est-à-dire la Chine et le terrorisme, Abellio va très loin. Enfin, voit très loin. Et je rappelle qu'il meurt en 1986. Hein. Ah oui, tout à fait. Oui, il meurt en 1986 et il voit très bien le rôle déterminant que va avoir la Chine dans les années à venir, qu'on voit depuis une dizaine d'années de façon très manifeste, disons. Il situe également des projets d'attentats à New York, dans Manhattan, dans Visage immobile. Donc il y a un aspect prophétique. Cet aspect prophétique, à mon avis, il faut le prendre comme quelque chose dans ces romans qui donne de la vie, qui donne du sel au roman. Mais fondamentalement, Abellio se considérait comme un philosophe et comme un théoricien. Donc, ce qui l'intéressait, c'était ce qui structurait l'ensemble des choses et dans les interstices desquels pouvaient se situer, enfin se placer, disons, des points qui étaient tout à fait visionnaires. On a parlé effectivement de la Chine et du terrorisme. On peut également penser de l'opposition fondamentale qu'il attribuait à la gnose, là, on n'en a pas encore parlé, de la gnose abélienne, face à la mystique. La gnose, oui. La gnose abélienne, c'est essentiellement tourné tout de même vers quelque chose de viril, de solaire, qui repose sur non pas des symboles interprétables un peu trop facilement, mais sur des supports mathématiques, sur donc effectivement le Yiking, l'arbre des séphirotes, l'astrologie, la numérologie également, et la mystique par opposition, c'est ce qui relève d'une féminisation passionnelle. Oui. Et il voyait tout de même deux blocs propres à chacun de ces attributs. C'est pour la gnose le monde juif et pour la mystique le monde islamique. Se prenant plutôt parti tout de même d'un point de vue là encore métaphysique, pas d'un point de vue vraiment politique, pour la gnose juive qu'il voulait régénérer par le Christ. Oui, ce qui est assez paradoxal, parce que la gnose islamique, en particulier du côté de l'Iran et de la Perse, est évidemment très développée. Et d'ailleurs, c'est très curieux parce que, mais bon, ce serait quand même sans doute un peu long d'évoquer ces questions-là, mais Henri Corbin, qui était le grand spécialiste de la gnose islamique, a rencontré, je crois, à deux reprises Abellio, mais il ne s'est pas vraiment passé quelque chose de… Non, hein, c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné entre eux, ce qui est quand même… Enfin, c'est assez étrange. Parce qu'Abellio aurait très bien pu s'ouvrir à ce domaine-là également, mais il ne le fait pas. C'est possible que ce soit aussi par réaction à la réaction, finalement. La gnose islamique étant vue à travers Guénon comme quelque chose de profondément réactionnaire qui voulait retourner vers un état d'antériorité, la gnose juive, à l'inverse, étant beaucoup plus ouverte sur les potentialités de la modernité. Et Abellio voulait, enfin, il y a vraiment une césure entre Abellio et d'un côté Evola et Guénon de l'autre. C'est comme on l'a dit précédemment, ce rapport à la modernité qui est beaucoup plus ouvert chez Abellio et auquel il tient. Il cherche à rester dans une dynamique créative et ne pas se contenter de répéter d'anciens textes de façon complètement sclérosée. – Puis il met cité Husserl également disant que toute époque, quand on y regarde de près, peut être une grande époque. Et il se situe, lui, dans cette perspective-là. Ce qui n'est pas possible, ne peut pas dire ça. Enfin, – Il y a quelque chose d'intéressant à dire, il me semble, c'est qu'Abellio ne voit les choses… Effectivement, il voit la positivité et la négativité, mais il dit que chaque positivité, c'est un peu le yin et le yang. Oui. Chaque positivité contient une négativité. Donc il se refuse fondamentalement à juger d'un bloc un temps, une époque qui serait vue comme…
comme profondément involutive et a essayé d'aller chercher dans le Moyen Âge ou dans le voilà le Moyen Âge occidental, l'âge d'or, le Moyen Âge occidental islamique, l'âge d'or chez Guénon ou l'Antiquité chez Evola, quelque chose qu'il faudrait absolument retrouver. Il cherche vraiment à se tourner vers l'avenir. C'est aussi pour ça qu'il s'intéresse à ce qui se passe du côté de la Californie, de la gnose de Princeton. Oui. Voilà, là où il y a un fameux livre de Raymond Ruyère, où il y aurait un petit groupe de scientifiques qui chercherait là encore à régénérer la science moderne par des vues traditionnelles. Alors j'en reviens à cette question qui me paraît importante chez Abeliou. Vous avez évoqué donc cette enfance chrétienne, catholique, vous avez évoqué ce tableau de la transfiguration et du commentaire qu'en a donné Abeliou. Comment se situe-t-il, Abeliou, à l'endroit des églises chrétiennes, à l'endroit du dogme chrétien, à l'endroit de la doctrine chrétienne, qu'elle soit catholique, protestante ou orthodoxe? Est-ce que c'est un position, enfin, il y a une, son positionnement est très singulier. Autrement dit, est-ce qu'on peut dire qu'Abeliou se rattache à une forme d'ésotérisme chrétien, ou bien est-ce encore autre chose? Quel est son positionnement à l'égard du christianisme? Oui, la notion d'ésotérisme chrétien me semble tout à fait juste. C'est un homme qui a étudié les Écritures, les textes sacrés, qu'il connaît bien, qui les cite très régulièrement. Cela dit, il ne dit pas tout. Il y aurait par exemple… il cite saint Paul avec sa notion de l'homme intérieur qui rejoint cette notion d'instase. Pour répondre à votre question, c'est un homme qui est très sévère par rapport à l'Église catholique que nous avons depuis Vatican II, c'est ça qu'on, oui, qu'on l'appelle. Bon, en disant que les prêtres ne croient plus à la sacralité du rite et de leurs gestes. Enfin, il a des propos de ce type. Il se trouve que j'ai lu le journal de Gabriel Masneff, et ils se trouvent tous les deux à une sépulture d'une personne. Et seul Raymond Abeliou, dans les années 70, fait le signe de la croix. Par respect, oui, alors que personne dans le groupe n'avait osé le faire. Bon, il est attaché au rite et il croit à la puissance du rite, c'est certain. Bon. Est-ce qu'on peut dire que Abeliou, enfin, comment Abeliou se situe-t-il à l'égard de la question de l'initiation? J'ai parlé de cette rencontre avec Pierre de Combat, donc en 1943. C'est en même temps un homme très indépendant. C'est un homme qui n'est pas affilié. Enfin, il a été à un moment affilié à la franc-maçonnerie, mais je crois que ça a été un échec. Hein. Oui, très peu de temps. Ouais. Donc c'est un homme très très solitaire, disons. Ouais, enfin, un homme qui poursuit son œuvre et sa pensée. Ouais. Est-ce qu'on peut interpréter son parcours, voir ses romans? Vous évoquiez la tradition biblique, il se trouve qu'un grand nombre de ces romans, sauf le dernier peut-être, hein, tous sauf le dernier, se réfèrent à des formulations bibliques. Hein. Mmh. Les yeux d'Ézéchiel sont ouverts, la fosse de Babel, heureux les pacifiques, enfin, ce sont des romans initiatiques, il y a une initiation, une pensée de l'initiation chez Raymond Abeliou. Je crois qu'il dit cette phrase que le terme même d'initiation… est une notion initiatique. Ça veut dire qu'il faut avoir, des éléments suffisants pour le comprendre. Pour l'illustrer par la phrase de Matthieu, à celui qui a, il lui sera donné, et celui qui n'a pas, ce qu'il croyait avoir, lui sera enlevé. C'est un peu ça qui. Il faut des présupposés, il faut des éléments pour avancer. Alors en ce qui le concerne, on a évoqué sa rencontre avec le maître spirituel, mais il dit très bien que pendant 2 ans, il s'est battu, c'est un terme qu'à prendre sur le plan théorique, il s'est battu contre ses idées, mais en fin de compte, il a emboîté le pas.
Et j'aimerais citer la phrase qui vient de très loin, la phrase citée par Chateaubriand dans La vie de Rancé et qui sert d'introduction, d'épigraphe, à son Invictus. Il faut aller où Dieu nous mène et ne rien faire lâchement. Donc, aller où Dieu nous mène, c'est, bien entendu, on n'a pas trop le choix, on obéit au déterminisme qui nous pousse. Mais en même temps, ne rien faire lâchement, c'est avoir cette conscience qui nous permet quand même, sur le moment, de dire, tel acte est à faire et tel autre… Agir, l'acte à agir, sans te soucier des fruits de l'acte. C'est une phrase de la Bhagavad Gita à laquelle il se réfère fréquemment. Il y a un certain fatalisme, effectivement, quand même, chez Abellio. Ce qui est et ce qui doit être sera. C'est, là encore, il se détache du jugement à travers cette façon de voir les choses. Et pour répondre à votre question, je suis d'accord. Il y a dans les romans d'Abellio une portée initiatique qui est tout à fait certaine, que à mon modeste niveau j'ai ressenti. Et pour donner un exemple personnel, il me semble que Abellio initie dans la mesure où il fait passer un certain nombre de personnes, dont lui évidemment, de la politique à la gnose. Son initiation, c'est vraiment de faire passer l'agitation quotidienne, le fait de bricoler dans l'incurable, comme a pu le dire Sioran, vers une étape de conscience, comme on l'a déjà dit, et d'intuition, de sens plus fine, supérieure, qui permettrait de voir les choses de façon plus englobante. Donc oui, il y a un aspect effectivement initiatique à la pensée de Raymond Abellio, ne serait-ce que par ces points. Mais cette initiation, comme on l'a dit également, ne passe pas des petites sociétés secrètes, par la franc-maçonnerie, par la Rose-Croix. C'est vraiment de l'initiation intérieure, c'est de la conversion du regard, c'est quelque chose de très intériorisé qui concerne avant tout des hommes en quête de liberté, comme lui, à mon sens, Abellio, c'est un grand aventurier de l'esprit. Mm-hmm. S'il faut retenir quelque chose d'Abellio, c'est quelqu'un de libre, par certains côtés de libertaire également, qui a une pensée d'une indépendance totale. D'ailleurs, il n'a été récupéré par personne. Il est extrêmement peu lu. C'est à mon sens… – Il n'y a pas de disciples, il n'a jamais cherché à avoir de disciples. – Il n'a jamais cherché à avoir de disciples parmi les grands personnages qui se sont intéressés à l'ésotérisme. On pense à Jung, on pense à Guénon et Evola, dont on a déjà pas mal parlé. Abellio est celui qui est malheureusement le moins lu, alors que de mon point de vue, c'est sans doute celui qui présente le plus grand intérêt, la plus grande diversité, la plus grande force, le plus grand dynamisme des idées et la plus grande capacité à être intégré par des personnes en quête de liberté. À mon avis, c'est ça qu'il faudrait retenir de l'Abellio initiateur, quitte à s'en détacher, évidemment. Abellio ne cherchait pas de disciple. À mon avis, le meilleur disciple d'Abellio, c'est évidemment celui qui s'en détache, qui intègre sa pensée, qui intègre sa façon de voir le monde. On pense évidemment à la structure absolue, à sa typologie des femmes. Bon, c'est des choses sur lesquelles on peut, qui sont critiquables. – J'aimerais le citer, une phrase ultra simple, il dira « Le sage ne s'indigne jamais ». – L'indignation est le plus grand péché, pire que le mensonge. – Voilà, par exemple. D'où ça permet d'expliquer le titre du dernier tome de sa trilogie romanesque, « Visages immobiles ». Or, cette expression « visages immobiles », on la retrouve quand il décrit ses instituteurs, véritables hussards de la République, instituteurs de la Troisième République, auxquels il doit beaucoup. Il disait ces hommes, souvent d'âge mûr, qui avaient fait la guerre de 14-18, et au visage immobile. Je trouve ça assez beau. C'est très beau, effectivement. Puis c'est l'immobilité, c'est le hiératisme du sage et du moyeu de la roue taoïste. Il est immobile pendant que la roue tourne. Hein. Voilà. Qui pratique le non-agir. Et à ce moment-là, il dit, c'est d'ailleurs dans son livre de mémoire, il parle à la fin de
son double qui s'appelle qui est le romancier Drameil. Le romancier Drameil va finir sa vie dans le roman, mais va connaître un passage en maison de convalescence, là même où lui-même, Raymond Abelliot ou Georges Soulès, a été à la maison Lafitte. Et il dira « Je ne fais plus rien, tout vient à moi ». Et j'ai un peu le sentiment que c'est ce que j'ai été conduit à faire moi-même, parce que je l'ai rencontré dans cette maison de convalescence, et je ne m'attendais pas forcément à être reçu. Mais la première chose qui me dit « Quand pensez-vous venir ?» et « Apportez-moi une pointe bique ». C'est-à-dire un stylo, il n'avait plus rien pour écrire, il était arrivé depuis 24 heures là-bas. Et voilà, ça illustre « Tout vient à moi » et donc je lui ai apporté ce dont il avait besoin pour continuer d'annoter ces manuscrits que je voyais sous son bras. – Quel sentiment vous a-t-il donné pendant cette rencontre, l'homme Abelliot, qui était certes en convalescence, vous l'avez dit, mais quelle image retenez-vous de cette rencontre ?– J'ai vu un petit homme affaibli, immobile, c'était fin août, il faisait très beau ce jour-là et même chaud, mais lui il était couvert d'un gros pull au vert de laine, il était là, immobile, et… Si le corps était donc comme ça, un petit peu ralenti, l'esprit, à l'inverse, était vif, était vivant. Donc il appréciait tout à fait d'être servi par de jeunes et jolies infirmières auxquelles il posait des questions très précises. Je ne sentais pas un homme prêt à mourir. D'ailleurs, il me disait, j'ai mon œuvre à finir, il faut… vous voyez, il m'a montré les deux manuscrits de Sol Invictus et de Visage et mobile, donc il fallait finir ça avant de passer à autre chose. – Alors à propos de jeunes et jolies infirmières, parlons donc des femmes, hein, parce que c'est tout de même un sujet de réflexion aussi pour Abelliot, pas uniquement, mais c'est il a beaucoup réfléchi sur la féminité, sur le féminin, et son œuvre comporte évidemment, son œuvre romanesque comporte des portraits de femmes, et lui-même a connu bien des femmes. Et alors donc, est-ce que l'on peut, de manière assez simple bien entendu, est-ce que l'on peut définir ces relations d'Abelliot et avec les femmes et avec la féminité ou l'idée féminine? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Les femmes participent de l'évolution de l'individu. Ouais. Par exemple, il raconte qu'au même moment où il fait la rencontre de ce Pierre de Combat, son maître spirituel, il fait la rencontre d'une jeune femme qui va être sa maîtresse pendant quelques temps et qui il va trouver chez elle, comme chez lui, une espèce de sens d'abandon au destin, de amor fati, hein, amour du destin. Cela dit, c'est vrai qu'il a eu, pour des raisons tout à fait compréhensibles, une découverte de la féminité assez tard. Cela dit, il s'est rattrapé par la suite, disons. Il a eu notamment, quand il était à Paris, sous l'occupation de très nombreuses maîtresses. Et il n'a jamais été marié. Il a été très très ami des femmes. Donc tout le long de sa vie, il y a eu quelques figures marquantes. D'ailleurs, il le dira. Il dit, il y a eu trois femmes et une quasi qui aura beaucoup servi. Il dit un demi-temps, c'est ce que la formule qu'on trouve dans l'Apocalypse. Alors chacune correspond à une étape, et puis voilà quoi. Bon, la demi, je pense que c'est une personne qui est encore vivante et qui avec lequel il ne s'est pas passé grand chose, mais enfin qui a été la grande passion de ces dernières années. Et alors justement, oui, je vous en prie. D'un point de vue peut-être peut-être plus théorique, oui. Son rapport aux femmes, à mon sens, il se situe du point de vue, dans un premier temps, de l'idéalisation. Il ne faut pas oublier que, évidemment, Raymond Abelliot, c'est un Toulousain, et que, donc, un Languedocien, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à la poésie des troubadours, notamment un troubadour qui s'appelle du XIIIe siècle, qui s'appelle Peyre Cardenal. Donc, vraiment, il plaçait les femmes sur un piédestal. La femme était la dame. Voilà, la dame courtoise. La dame était vraiment idéalisée. Il y a de la correspondance avec des femmes, etc.
Et il y a un autre versant dans son rapport aux femmes qui est davantage dans la confrontation, notamment dans la confrontation sexuelle, qui là pourrait peut-être davantage relever du tantrisme hindou. On sait qu'il a lu un certain nombre de livres sur le sujet, aussi bien de Julius Evola, dont on a déjà beaucoup parlé, oui, que d'un ami à lui qui s'appelait Jean-Louis Bernard, qui est un égyptologue un petit peu déviant. Donc il y a vraiment ces deux aspects-là, idéalisation et confrontation, presque j'aurais envie de dire, outil, là encore, d'initiation à travers la sexualité. Pour lui, la sexualité est vraiment une étape pour acquérir cette qualité peut-être d'homme intérieur. En tout cas, on peut pas se départir de la sexualité pour arriver à un niveau de conscience plus élevé que le niveau de conscience moyen, disons. – Il a même une… – Je vous en prie. – Voilà, et il y a également donc une grande typologie, oui, des femmes avec… Donc la femme originelle, oui, qui est peut-être la femme un peu primitive, la voyante sans doute, celle qu'on voit encore aujourd'hui, la gitane peut-être, quelque chose comme ça. La femme virile, qui est la femme moderne, la femme qui travaille, c'est un peu, pour parler de façon triviale, la femme des années 80, là, de Sardou. Et la femme ultime qui condense les qualités de la femme virile et de la femme originelle. Et évidemment, son dernier roman, Visage immobile, est une quête vers le Graal que constitue la femme ultime, il me semble. Dans ces romans, tous les personnages féminins sont inspirés directement d'une figure ou une autre qu'il a connue. C'est… voilà. Mais il a besoin de les schématiser. Enfin, il formalise toujours. Il formalise toujours. Alors, c'était quelqu'un qui avait qui a besoin d'intellectualiser. C'est quelqu'un qui avait également beaucoup d'humour. On le sait, Marie-Thérèse de Brosse l'a rapporté à de multiples reprises. Qui devait être aujourd'hui avec nous, que l'on salue d'ailleurs. Hein, et qui a écrit un très bon recueil d'entretien avec… Tout à fait. Avec Abelliou. Et effectivement, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, y compris sur lui-même. Quelqu'un qui avait pas du tout pour un intellectuel, qui avait pas de mal du tout à se remettre en question, à dire quand il s'était trompé. Hein, il a admis dans son tome, le tome 3 de ses mémoires sur l'Invictus, qu'il s'était trompé pendant la guerre. Il renie quand même son passé collaborationniste. Et voilà, pour revenir sur cette question des femmes, il se moquait un peu de lui-même en disant que c'était dramatique d'avoir besoin de schémas pour baiser. Effectivement, oui. L'humour est toujours d'ailleurs à signaler, parce que quand on a affaire à des penseurs aussi rigoureux, disons, c'est toujours intéressant de voir quel type d'hommes ils ont été aussi, sans entrer en contradiction d'ailleurs, tout ceci est parfaitement lié. Peyre Cardinal, donc le domaine occitan, pièce de théâtre également. Oui, Montségur. Cet attachement d'Abellio au monde occitan, à l'Occitanie, voire au catharisme, comment peut-on l'interpréter? Parce qu'après tout, quand il évoque sa mère dans ses mémoires, dans le premier volume, Faubourg de Toulouse, et donc cette voix dévotionnelle ou mystique, il mentionne également le catharisme et le massacre des cathares, le massacre de Montségur. Qu'est-ce que l'on peut… Est-ce que c'est déterminant dans sa pensée? Est-ce que ça a une incidence, une influence? On peut dire certaines choses. Il explique que sa mère et sa grand-mère sont natives de la montagne ariégeoise, du village de Seix, venues à Toulouse pour des tâches ménagères ou de petits commerces. Alors, entre autres choses, la grand-mère faisait la vente de rameaux, de laurier ou de buis le jour de la fête des rameaux. Et alors il dit, humble marchande du temple, mais qui était au-dessus de ses contingences et qui était pour lui l'incarnation de la femme occitane, de la femme qui avait accompagné les hérétiques, qui était dure à l'ouvrage, qui s'énervait jamais, qui avait confiance en la vie. Voilà, pas du tout la femme moderne, la femme virile, virile ou qu'on appelle, qui pratique le féminisme antagonique. Il se disait vraiment descendant de Cathares, pour le coup. Il se donnait une généalogie
de Qatar. Et disons les choses telles qu'elles sont, à mon sens, Abellio est certes un chrétien, mais c'est un hérétique. C'est quelqu'un qui s'intéresse aux figures chrétiennes hérétiques. On pense évidemment à Maître Eckhart, qui l'a beaucoup influencé. Saint Bonaventure, qui lui n'est pas. Saint Bonaventure, alors qui n'était pas du tout un hérétique. Mais il a été lecteur de Saint Bonaventure. Oui, c'était un grand lecteur, effectivement, de Saint Bonaventure, auteur d'une. Effectivement, franciscain et très haut dignitaire de l'Église catholique. Mais il s'estimait une affinité élective, il me semble, quand même, davantage avec les hérétiques qu'avec l'Église institutionnelle et avec les cathares en particulier. Les débats historiques n'arrêtent pas de changer. En plus, le massacre des Albigeois, à son sens, ne faisait pas de doute et préfigurait le massacre des Juifs par les nazis. Ce qui a fait peut-être qu'il se soit senti, encore une fois, en affinité supérieure avec le peuple juif par la suite et à travers la mémoire des persécutions. Je vais le citer à ce sujet, le lien commun entre le massacre des cathares et l'extermination des Juifs au XXe siècle, il dit « une gnose était en jeu ». La gnose juive, véhiculée par la synagogue, et puis… Et puis, cette gnose occitane, cathare, entre autres, réalisée dans cette divinisation de la femme, et puis le mépris par rapport à ce que le… La nudité nous conduit. Il dit, je vois pas pourquoi je me sentirais coupable, je n'ai pas demandé à naître. C'est la phrase clé de la pièce Montségur, prononcée par le fameux père cardinal. Alors notre émission touche à sa fin, c'est très rapide bien entendu. Donc très très brièvement, on a essayé donc de donner un aperçu rapide de la pensée d'Abellio. Raphaël Jouan, Jean-Charles Roux, un livre, un titre d'Abellio pour les téléspectateurs qui souhaiteraient découvrir cette œuvre. Pour découvrir, j'irai Dans un âme et un corps, journal de 1971, publié chez Gallimard, qui donne vraiment une vision très humaine d'Abellio dans sa quotidienneté et dans son immense vivacité quotidienne, qui est quand même très, très impressionnante. Alors moi, je proposerai ses mémoires. Il y a trois tomes. Le premier tome raconte les 20 premières années de sa vie jusqu'à l'entrée à la Polytechnique. Ça s'appelle Dans un faubourg de Toulouse. Le deuxième tome s'appelle Les militants. C'est la période de 27 à 37. Et puis le troisième tome, Sol Invictus. Le titre est un clin d'œil à sa propre vie. Sol, c'est lui-même, c'est Soulès. C'est soleil, c'est Soulès. C'est Soulès, évidemment, il a trouvé un titre remarquable. C'est précisément les années, fin des années 30, jusqu'au début de 1950 à peu près. C'est la Renaissance, le solstice d'hiver. Voilà. Exactement. Donc ces trois tomes, c'est pas que des mémoires, c'est de la philosophie sur l'histoire et c'est un développement de sa pensée de façon générale. Une réflexion sur l'histoire invisible. Merci beaucoup messieurs, merci à vous tous d'avoir assisté à cette émission. J'espère qu'on vous aura au moins donné l'envie de découvrir cette grande œuvre, cette grande pensée et ce grand écrivain également. On n'a pas insisté, ce n'est pas l'esprit de l'émission, sur les qualités de styliste et d'écrivain d'Abellio. Mais en tout cas, je ne peux que vous encourager à vous plonger dans cette œuvre et à découvrir cet homme, je crois, qui fut un esprit particulièrement aigu au XXe siècle et qui nous aide à penser également le siècle dans lequel nous sommes et peut-être même les siècles à venir. Merci beaucoup.